Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons affronter un personnage, ma foi, un petit peu... qui n'est pas des moindres. Intrigant. Je peux faire des trucs comme ça. Vas-y, viens. C'est bon, calme-toi, c'est bon. On a l'habitude hein, sur la chaîne de comparer les sports et aujourd'hui, on va vraiment opposer deux vélos qui sont totalement différents parce que... Qu'est-ce que c'est que cet engin là? C'est un peu son grand frère, non? Tu trouves pas? Le grand frère. Le grand frère. Donc là les gars, on est sur un petit Fat en fait, c'est un 26 pouces. Ça s'appelle un BMX Cruiser entre guillemets. En gros, c'est ta base de ton vélo en version big. Et là on est sur des pneus, c'est un tracteur le truc. Hein. Enfin franchement, tu vois les champs? Bah je suis au bon endroit en fait. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc voilà, donc dans la Backlife on a plusieurs types de vélos, des vélos et des pneus plus fins, plus larges. Ça dépend donc si tu veux plus d'équilibre pour faire des figures. Celui-là tu m'as dit c'est un vélo pour faire des figures. C'est ça, pour faire des figures, on a les autres pour faire des petits virages, tout ça, enfin voilà. Attendez, je sais pas ce que vous en pensez. Il dit que ça ressemble à mon BMX. Ah si quand même. Sur un BMX il va être plus proche du sol que, alors que nous le point d'équilibre il est vachement haut. Et la différence elle est folle parce que lui pour lever faut vraiment tirer super fort alors que moi tu tires à peine, tu peux te retourner avec mon vélo. Le principe de cette vidéo est très simple. Je vais essayer de faire des figures en BMX que lui va essayer de reproduire avec BMX Cruiser, avec son BMX Cruiser. Et lui va faire des figures avec son vélo. Et puis pareil hein, je vais essayer de les reproduire en BMX. J'ai peur d'arriver à rien faire de ce qu'il fait parce que vous avez vu là, rien que ce qu'il a fait en arrivant, ça je peux pas le faire. Le vélo est tellement pas stable que je meurs tout de suite. Qui commence à imposer une petite figure? Shifumi. Bon bah. Je commence à poser une figure. Vas-y. Ok. Fais un truc tranquille. On va faire un petit manual, on va faire une petite distance. C'est parti, let's go. On a un trail chacun. Vas-y, je t'en prie. Ça commence mal parce que moi je suis claqueur manual en fait. Un trail qui dit. Si j'ai envie d'essayer trois fois, j'essaie trois fois moi. Non. Oh, j'ai raté. Un trail. J'ai été trop vite. Ok. Et tu payes tes pneus ou pas? Oh, y a la trace par terre. Il a fait une trace rouge par terre. Tu la vois la caméra? Ouais, la trace un petit rouge. Peu là, genre. Regarde là. Si je m'approche, on voit carrément, il y a des petits grains rouges là. Bon bah j'ai raté ma... Oh la honte. Il a pas réussi alors je lui ai imposé un petit tricks. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? La base du vélo. La base du vélo. Le bonnet pas. On va voir jusqu'où t'arrives à monter. Ouais. Je peux rester sur place, j'ai pas besoin d'aller bien loin. Oh. Petit bonnet, vas-y tranquille. Franchement je trouve il monte bien haut parce que vu le poids du vélo, pour ceux qui ont jamais vu un vélo comme ça, moi j'ai été impressionné par le poids. Parce qu'on a l'habitude avec nos BMX, nos VTT, ils sont super légers pour les figures. C'est 15,6 kg il me semble. Ah ouais c'est abusé. Ah ouais c'est aberrant. Super lourd. Bah, vas-y fais-moi un petit trick ça. Manuel et frotter le pied par terre. Il paye pas ses pneus, il paye pas ses chaussures. J'ai froid de ouf. Je sais pas où vous habitez vous en ce moment mais il fait super froid. Vas-y mon gars, fais frotter la chaussure. Oh c'est ça. J'ai validé. Oh mais ça arrive plus. Il a validé carrément. Alors voilà, je viens de manger ma chaussure inutilement. Qu'est-ce que je pourrais te faire faire? Enfin, il y a tellement de figures que je peux faire mais... Petit faki. Que je sais que tu pourrais... Ouais, un petit faki. Non, non, commence pas à choisir tes propres figures. Je vais faire un faki quand même. Ça tu peux le faire avec ton cruiser, t'arrives, tu bloques un petit peu pour stopper. Et comme ça tu peux reculer tranquille. Tu peux faire des rebonds pour t'aider. Bon, ça devrait le faire. Attends, on va faire avec sa roue, normalement ça devrait le faire. Hop, et là. Wouh oh. Allez, recule sur quelques mètres au moins. Voilà, voilà. Yes. Wouh. Entendu? On a entendu, ouais. C'est les chasseurs. Ça me perturbe, on a tourné une vidéo avant. Depuis tout à l'heure, on tourne la vidéo, on entend pas, juste de l'autre côté de la route. Ouais, puis ça a pas résonné, c'était vraiment un pot, donc c'est juste à côté, c'est dans l'autre sens que ça Ils sont juste à côté de la route. Je sais que normalement, ils sont censés tirer dans du bon côté, tu vois. Mais genre, t'entends des coups de feu à côté de toi, c'est stressant. Voilà, voilà. Là, t'appuies sur ta pédale. Voilà. Je veux bien essayer avec ton vélo. C'était pas le but de la vidéo, mais je veux bien essayer. Si tu peux me bloquer pareil. Les roues elles sont immenses. Oh, ouais. Oh beau gosse. C'est abusé. Alors j'impose. Je t'impose le truc d'essayer de monter sur le guidon. Ok lui. Je suis sûr il va se broyer le cul. Oh, oh. Les pieds sont pas passés au-dessus. Le demi surprise. Oh. Ah ouais j'imagine. Ah ouais tes deux doigts de pied ont tapé. Ils ont tapé dans le guidon. En plus il fait bien froid là. Les gars on est en train de vous tourner une vidéo. Il gèle de toute façon. Ouais. Là je suis arrivé avec ma voiture était gelée tout à l'heure. Ouais. Donc il fait vla froid. C'est pour ça si on a un peu une tête de c'est normal. C'est le froid. C'est pas le rien. Oh je suis trop nul, bah dommage. On a jamais dit que t'étais bon de toute façon. T'as voulu jouer? Moi je vais jouer, je veux juste voir un truc. Pas de faki, rien, juste le 180. Là tu vas devoir tirer, on va voir s'il a les bras. T'arrives droit, je veux que t'arrives, hop.
Juste avant qu'il essaye, les gars, je vous rappelle qu'il y a ma petite boutique en ligne avec tous les gants qu'on fait nous-mêmes. On les expédie, on les emballe, on fait tout nous-mêmes. Et j'ai oublié. Attends, tu vas pas y arriver si je te donne pas une paire de gants. J'ai complètement oublié ça. Bien coloré, ça ira bien avec le vélo. Petit conseil, hein, si vous commandez, si vous hésitez entre deux tailles, il y a le guide des tailles sur le site parmi les photos. Si vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille du dessus. C'est parfait. Bon bah. Bah t'en penses quoi des couleurs sur ça? Ça c'est le premier modèle que j'ai fait. Bah il est super cool parce que voilà, il se voit bien et là il a l'air d'être confort et tout, il est bien élastique et tout. Et il accroche bien grâce au truc comme ça là sur la poignée de frein. Bon tu penses que je réussis à ça t'apprendre? Ah bah ça, ça dépend de toi hein. En vrai je vais pas vous mentir, les gants ne vous rendront pas meilleurs, juste plus beau. C'est bien déjà. Allez frérot, allez donne tout ce que t'as. Oh ah ouais, allez force à mort, force à mort, faut tout donner. Ah, j'ai envie d'essayer. Ouais, essaye avec le vélo de Philippe pour voir déjà si t'as le geste. Yo! Ouais! Y'a quoi? Yes! Yes. J'ai raté mon manuel tout à l'heure, j'ai envie de le relancer parce que voilà. Un bon petit 100 mètres là. Mon fils, c'est pas que je te sous-estime. Oh, arrête! C'est mort. Baptiste, t'es viré! Je te rappelle, c'est moi qui note ton stage. Fais attention à ce que tu dis. T'as la vitesse qui va. Et on dirait il est calé, tu vois là il est calé. Là il ne bouge plus, il est calé. C'est passé au calme ce moment. Maintenant à Philippe de le faire. Allez. Ouais. Ouh les culs ça le chauffe. Oh, allez, ça va. Mais non, oh, mais non, oh, mais non. Allez, c'est presque. Oh non! Là, il vient de péter son record. T'as fait le manual le plus long de ta vie. Ouais, il vient de taper son meilleur manual. Je fais jamais de manual comme ça. Moi, les manuals, c'est en haut des rampes en arc de cercle. Oh, j'ai envie de t'imposer un truc, c'est l'inverse du manual. Je sais pas si c'est possible en VTT, mais attends, regarde. Là, j'ai pas de rampe, alors je peux pas partir. Mais du coup, tu prends ton vélo, tu le mets comme ça, tu viens caler la selle au niveau de. Ouf! Tu vois ce que je veux dire? Et tu pars comme ça. Vas-y, suis-moi. Ouais d'accord. Ah parce que lui sur l'enrouvant ça va pas être possible. Déjà que moi avec le BMX qui est petit, tu vois je touche à peine le sol. Ouais. Oh, ça me défonce le. Je suis pas à l'habitude de ça. Aïe 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 aïe. Ah ouais. Mais il tient combien de temps comme ça? Je sais pas sur ton BMX. J'ose pas lâcher la main. Si tu arrives sur le BMX, franchement reste. Ah. Oh 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 oh. Putain le petit con. Le petit con. Respect. Là franchement parce que le BMX il est pas stable du tout. Je l'ai fait sur un vélo pour enfants, je l'ai fait sur un vélo de la poste de 40 kg. Et là je peux m'essayer un autre truc. Je vais essayer sur mon vélo de pas mettre le pied là mais de mettre le pied sur la poignée. What the fuck, mais comment il fait? Ah ouais je comprends pas si. Si il met son pied là, le guidon il va faire ça. C'est... Wow. Ah ouais. C'est pas du tout le même équilibre, là t'as le poids que d'un côté du vélo. Là je vais essayer de faire un sort genre bien bien vite, genre passer. Hein. T'inquiète, on croit que tu y arrives. Il va se tuer ici. Fou. Il part de tout là-bas à fond de balle. Wesh. Tu sais ce que ça me rappelle de filmer comme ça un vélo qui passe vite? Quand on a fait le radar. Ouais. T'as de l'équilibre sur la roue arrière avec de la vitesse. Mais est-ce que t'aurais de l'équilibre sur la roue arrière sans vitesse? Je peux te faire le trick là, sans partir de ma place. Pas mal, pas mal. Voilà, après tu restes autant de temps que tu veux, moi y'a pas de soucis. Hein. Tu peux même aller un peu sur la roue avant ce temps. Sur la roue avant c'est bien. D'ailleurs c'est le moment pour vous dire de vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Il y a le petit bouton rouge juste là. Hein. Nous il y a plusieurs façons de faire ça. Donc t'as soit sur les pegs, tac vous mettez votre vélo comme ça, vous le mettez là. Donc là. Hop. Là tu peux bloquer la roue, tout ça ouais. C'est ça qui est bien avec ces vélos là. Et c'est un peu ça le but de ma vidéo, c'est de vous montrer un petit peu les autres disciplines et ce qui est possible de faire avec un vélo qui est complètement différent. Mais vous, vos pegs et nos pegs, ils ont pas du tout la même utilité. Nous c'est pour aller scaler en haut des rampes et vous c'est pour mettre les pieds dessus. L'original, le vrai cale-pied avec du grip pour. Même mon gant il reste collé dessus. Après toi tu y arrives avec des gros vélos en général. Ouais, tu te mets sur les pegs, c'est ouais. Tout facile. Vraiment. Enfin facile, hein, c'est vite dit. Ouais. On lâche une main. Lâche demain. Oh quoi demain? Tu peux lâcher demain. Ah c'est marrant ça. J'aurais tout vu. Ah c'est marrant mais ça. Mais j'aurais tout vu. Oh oh, 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 oh. Wow.
Ah ouais, d'accord. Oh. Ouais. Validé, validé, validé. Là, on va faire un concours d'équilibre. On va juste se poser à l'arrêt. Et c'est celui qui tient le plus longtemps possible comme ouais, ça en équilibre. Sans bouger. Et ça, c'est un truc à refaire avec vos potes. C'est assez drôle. Vous mettez tous vos potes, vous restez au même endroit. Et le dernier qui reste sur son vélo, un peu à la Koh-Lanta, tu vois. À la fin, il ne restera qu'un. On est proche en plus. Allez, 3, 2, 2 1. Tu auras touché le sol. C'est parti. Ça fait combien de temps que tu fais du vélo? 3 ans. Du coup, donc toi, ça fait combien de temps? Ah, moi, ça fait 10 ans. Okay. Un peu tard, j'ai commencé un peu tard. T'as quel âge, toi? 19 dans 2 semaines. Ah ouais, t'es tout jeune. Les gars, je peux pas vous décevoir, je peux pas perdre ça. Oh, oh, il y a triche, il y a triche. Il essaye de me toucher, de me déstabiliser. Oh, wow, oh, wow, wow. Alors, il y a une petite faiblesse. Il y a une petite faiblesse. Les gars, n'hésitez pas surtout à dire dans les commentaires qui c'est que vous avez pensé qui est le plus à l'aise sur son vélo. Après, c'est deux disciplines qui se ressemblent pas. C'était ça l'intérêt de la vidéo, c'était de comparer mélanger, deux de choses. Comparer et mélanger surtout. Parce qu'il y a des trucs que toi tu fais normal, moi je galère. Ouais. Des trucs que je fais normal, toi tu galères. C'est pour vous montrer que si vous lancez dedans, ne vous attendez pas à tout réussir le premier jour. Faut tryhard un petit peu. Mais c'est ça qui est bien dans le sport. Parce que si t'arrives, tu sais tout faire le premier jour, c'est nul. Et toi, ce qui est bien, c'est que je dis pas de conneries, avec n'importe quel vélo, vous pouvez essayer ça. Exactement. C'est quoi voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire sur vos vélos qu'est-ce qu'il faut de base sur un vélo, c'est un frein et que les roues ne soient pas trop voilées, etc. C'est que le vélo soit en bon état et le plus important c'est le frein. Voilà, okay. À partir du moment où si vous avez un frein, vous pouvez être dans la backlife, il n'y a pas de souci pour ça. Et à partir du moment où vous vous entraînez, c'est comme dans le BMX, c'est comme dans tout sport, les gars, ça vient pas directement, il faut s'entraîner, charbonner pendant des heures, des jours et c'est comme ça que ça vient. Il n'y a pas de secret en fait, t'as tout bien exactement. Résumé. Toi, tu t'es entraîné pendant des années, des années, des années. C'est ça, des fois tu te fais mal, regardez la preuve, là ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, l'opération a été reportée, hein. Je n'y suis pour rien, je sais plus si, je crois que je vous l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais vous voyez, même blessé, même dans le froid, je continue à vous faire des vidéos. Ouais. Les gars, j'aimerais trop faire une vidéo en skatepark avec ça. Le problème, c'est que mon skatepark il est trempé en ce moment. Il me faudrait un hangar. Ce serait bien que j'ai un hangar quand même. Hein. Je suis sûr, il y a moyen de faire des tricks avec. Donc abonnez-vous parce que je pense qu'on fera une vidéo en skatepark avec ce genre de vélo. Ouais, y'a. Bon, en tout cas, les gars, comme d'habitude, je vous dis à mercredi prochain, midi pile pour la prochaine vidéo. Merci à toi d'être passé. Le pouce bleu, le pouce bleu. Ah oui, bah j'oublie tout le temps de le dire ça. Mais ils y pensent, ils sont trop chauds, ils y pensent d'eux-mêmes. Il y a une petite vidéo qui est sortie sur sa chaîne où on a fait un petit truc différent. Allez voir, c'est cool. Merci à vous de suivre les vidéos. À bientôt. Salut.